Bah, je suis venu un petit peu en ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre. Et après les 2-3 ateliers qu'on vient de faire, là, ça, il y a plusieurs thématiques qui sont venues. Ça s'est décliné en fait. Plein d'idées de projets qui sont venues. Enfin, en plus, on partage les expériences, que ce soit les expériences, mais aussi les avis d'autres personnes. Il y a des thématiques qui se recroisent et qui sont propres avec certaines spécificités pour chaque gouvernorat, mais aussi chaque spécificité pour de thématiques environnementales ou sociales. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on va pouvoir travailler sur le réseau. J'ai pris pas mal de coordonnées d'associations et je trouve ça sympa si on pouvait mettre en place des partages entre la France et la Tunisie, certainement avec mon association. Ils ont aussi exercé l'agriculture jusqu'à un âge bien déterminé, jusqu'à l'arrivée des choses. Donc, on ne peut pas aujourd'hui voir, avec l'action de sensibilisation, que les choses qui ont commencé de se nettoyer. Autant on peut apporter en tant que formateur ou en tant que facilitateur, à travers des techniques particulières ou des outils spécifiques, on apprend aussi beaucoup des gens, des jeunes qui participent, soit à travers les contextes de leur mission, de ce qu'ils font dans la vie, des problématiques qu'ils connaissent dans leur territoire. Donc du coup, je pense que c'est un peu une interaction bénéfique pour tous, quoi.